Bien, le salut du love et du bisou. J'espère que vous allez bien. C'est le Don Alex NCN et oui, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Uncharted. Non, pas du tout. Non, on se retrouve pour la suite de Shadow of the Tomb Raider, épisode numéro 7. Lara Croft, petite. On était resté ici, rappelez-vous, le moment où elle a mis son petit dessin et où elle a parlé de trouver le trésor et machin. Et mon père m'a appelé, donc du coup, on doit retourner en haut. Voilà, donc du coup, on va aller en haut. Magnifique, hein. Alors, lors du dernier épisode, on avait fait quoi? On a affronté un jaguar et des trucs comme ça. On avait fait pas mal de choses. Pauvre chevalier, victime de la malédiction du roi, Ah ouais, soudain, condamné sa petite. à rester Oh. pétrifié et prévenir des dangers de la tombe. Je veux qu'on finisse ce chapitre et elle me saoule déjà, en fait. Parce qu'elle va raconter toute sa vie sur chaque objet qu'elle va trouver. Ok, donc là on va aller au toboggan, maintenant on va dire ah le toboggan magique. Ah regardez, le toboggan magique, peut-être qu'il y a un trésor là. Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire inviolée depuis plus de 1000 ans. Oh, on arrive chez papa. Incroyable. Attends, c'est chez elle toi? Elle a un parc d'attractions à elle, mais elle est chanceuse, ça. Elle ramène ses copines, elle arrive, elle ressort même plus d'ici, elle dit ouais. La fouille révélera bientôt tous les secrets du site. Oh, on gagne des... Ah oui, d'accord, faut faire attention, ok. On gagne vraiment des trucs quand on récupère des dessins et tout. Okay. Le soleil et le chat. Ok. Projectile. Quoi? Comment ça, j'ai des projectiles? Ok, on va regarder ce que c'est que ça. La reine blanche est enfermée. C'est Zelda. Personne ne l'oublie. La Zelda. On va l'appeler Zelda. Pour les fans de Zelda, ce sera Zelda ou rien du tout. Ok. Ok. Notre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à 100 pas. regardez, les amis, regardez. Hop, bam! Ça se met à tromper? Non, pas du tout. Il faut des easter eggs dans les jeux pour les tromper. Ok, bon, par contre, on commence à faire le tour, le machin là, je crois qu'on va y aller. Hein. On a fait tout le jardin. Voilà, c'était histoire de pouvoir. Avoir des points de bonus que je fais ça. Ah. La reine blanche. Qu'est-ce que c'est que la reine blanche? On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Mais pourquoi serait-elle ici? Ouais, quel que rapport là? Peut-être que c'est l'histoire principale, les amis. Donc là, en vrai, on rigole, on fait ah, c'est une gamine, voilà. Mais c'est tout ce qu'on récupère, c'est peut-être pour l'histoire principale. Donc faisons attention à tout ce qu'on récupère et à et aux petits indices qui peuvent aider pour la suite de l'aventure de Lara Croft. Peut-être. I don't know. Hop. Ici, il y a quoi? Oh, d'accord. Lara s'envole Ouh. au-dessus d'un Ah lac. ouais, elle était déjà rapide de là, des petites là. Ça y est, c'était déjà une grande On guerrière. dirait qu'il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. Ouais. On va tourner ça. Ouais. On s'amuse. T'as pas encore tourné? Est-ce qu'on tombe vraiment en fait? Je me demandais là. Mais non, on tombe pas vraiment. Ok, il n'y a rien du tout ici. Ok, on prend ma bouboule. On fait de l'acrobranche, attention, regardez, hop, 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 un peu d'acrobranche. Bon, ici, il y a quoi là? Il n'y a rien. Bah écoutez, on va descendre, hein, on va aller prendre le toboggan et puis on va aller voir papa. Hein, on a assez rigolé là. C'est 3 minutes de jeu. On est en train de faire le petit enfant. Le sol se Ouh. déroule, Lara plonge dans les ténèbres. La bouboule qui arrive, regardez, hop. Je sais pas quoi ça me sert, ça que je le prends avec moi, mais il y en a plusieurs, regardez. Ok, il y a quoi ici? Des tombes récentes. Ah oui, des Le tombes. roi n'est pas tendre avec les intrus. Faut pas faire peur au roi. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que Hop, notre héros ok. évite la porte d'entrée. Tu peux les garder secrètes, hein, cette porte. Et que personne ne l'a trouvé. Y a tout là, on a tout fouillé. On peut voir papa, c'est bon. T'as assez amusé, gamine. Allez voir papa. Hop, comment on va voir papa? Par là. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Comment ça? Qui n'a pas l'air de comprendre? Raconte-nous. Comment on entre dans son palais à lui là? Parce qu'on rigole, on rigole. On sait même pas comment on y rentre.
Ton père m'a appelé, mais je rentre comment, moi? Ah, d'accord, le but, ça va être de trouver comment monter là-haut. Pourquoi j'ai des projectiles derrière? Un truc à faire, non? Ok, non, je pense pas. Bon, allez, on y va. La tombe interdite, très bien, on y va. On va voir papa, c'est ça? Mais je crois que le roi il va être bas. Oh, quel roi il est là. Quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre. Elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. Je crois que Lara, papa, il est occupé et il est très très remonté. Mais quel rapport avec Lara? Pourquoi il me parle? Il parle à qui? À Dominguez quand il était jeune? Royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Une question. Ok, là pour l'instant. Va falloir qu'on grimpe, Lara. Je crois que le but c'est de rentrer par chez toi en effraction. Donc fais attention. La tour du château est plus haute qu'attendue. Alors donc papa ne voit pas ça, hein. Ok. Allez, monte, Lara. La bouche d'égout. Elle fait pas une chute, hein. Parce que papa, elle va pas être content. Oh là là, mais quel. Mais regardez-moi ça. Moi, je vois une gamine qui fait ça, j'appelle le pompier direct et la police, je me dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette gamine elle veut se suicider? Hé! Bon, allez. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Jeune Lara risque une chute mortelle en avançant, mais elle fait le vide dans son esprit. Pourquoi cette musique? Ok. Tout doucement, Lara. Ok, là, elle regarde si. Non, non! Papa, il va m'entendre. Oh mon dieu. Oh mon dieu, papa. J'espère que tu m'as pas entendu, papa. Il va m'entendre, hein, c'est obligé. Il va débarquer à un moment, il va dire: mais qu'est-ce que tu fais là? Le manoir des Crofts, il est grand, hein. Je me rappelais plus que c'était aussi grand, le manoir des Crofts, hein. Ah. Très bien. La tombe interdite, mais on y va, hein. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Ok. Eh ben, on va se faufiler, ma petite Lara. Regardons quand même qu'elle peut une petite récompense par-ci par-là. Qu'elle peut presque la toucher. Ok. Et un champ de Faut force invisible l'empêche d'avancer. qu'on aille par là, ma petite Lara. Ouais. Vers le haut. Ok, est-ce que l'objectif c'est de grimper ou à un moment donné va se passer quelque chose? Parce qu'on n'est pas revenu dans le passé pour rien, on est revenu dans le passé parce qu'il y a une histoire. Avec papa. Oh là là, la ville. Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Regardez-moi ces graphismes. Pas là, ma mère, pas là, hein. Voilà, tiens-toi. Ah là-bas, il y a une petite échelle, on doit aller là-bas. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle Ok. doit rester sur ses gardes. De près. Lara, attention à toi. Mais dans quoi je m'embarque encore? Ah bah c'est toi, hein, tu nous amènes là, nous on te suit, hein. Non! Oh purée là. Non, non, non! Papa, il l'a vu ça, papa! Croft rit de son culot. Moi, je pleure hein, quand je tombe comme ça, hein, à son avion. Ah, elle est courageuse de ouf. Hein. Mais quelle fille vaillante, hein, c'est incroyable. Bon, donc pour nous, faut qu'on aille par là, je pense qu'on va fouiller. Un peu les environs, comme au cas où, qu'il n'y a pas de petites récompenses par-ci par-là. Très bien. Très bien, bon, on va prendre la porte qui est ouverte. Peut-être que papa il va nous accueillir, ou peut-être que, je sais pas, il y a la police qui va venir nous chercher, on sait rien. Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. La tombe interdite, con ça? Ça, c'est le trésor? Oh! Objet.
Le jeu, le fameux jeu avec la reine. Regardez, il est là le jeu. De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. Que? La reine blanche se sent peut-être seule. La chauve-souris, elle est où? Trouve la reine blanche. Trouve la reine blanche. Attends, on va fouiller. Barde de la moitié du 14e siècle. Germanique, je dirais. Une barbe pareille. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Un dessin contenant des indices menant à la reine blanche. Pièce belle, la reine blanche, là. On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes... Bon, là, les non? Ça devait être lourd pour ces... Le mot disait 90 degrés est et 30 degrés nord. Puis sur comment transformer ces objets utiles. R3, c'est tous Les les deux. coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Ok. Alors, 30 degrés est. Alors, attendez, que je comprenne. Oh là, ok, il y en a deux. Il y en a deux. Degrés est. Ok. 30 degrés, c'est bon. Et 90 nord. Ok. On l'a. On l'a. On l'a. Comment ça? C'est bon là? Et s'ils me font chier encore? Degrés est. 90 nord. Mais ah, attendez. Attendez, est-ce que j'ai fait une connerie? C'est peut-être l'inverse. Hein. Ok, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Excusez-moi, les amis, c'est l'inverse. 90 est nord. Ok. En vrai, les amis, ce qu'une bonne là, c'est une vraie coordonnée pour nous aujourd'hui. En vrai, c'est des souvenirs qu'on essaie de se rabibocher, hein, ça. 90 Est. Oula, c'est des îles, là. On arrive dans les îles. Ah non, on est en Asie, là. Hein. On est en Asie, les gars. Et oui, la chauve-souris, c'est ce qu'il y a tout là-haut. Ok. Ok. Attendez, je vais lire les écriteaux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue Ok. période de guerre entre la France et l'Espagne. Pauvre reine, Le roi soleil. Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara: C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. Ok. Pourquoi ça finit? Pauvre reine, Marie-Thérèse est morte d'une longue agonie, suite à laquelle le roi déclara: C'est bien la première fois qu'elle me cause du souci. Ok, on peut juste le relire. Ok, très bien. Bon, bah, du coup. Il y a d'autres trucs à oh, regarder. Vraiment, c'est Un artefact égyptien, un une boîte artefact de mauvais égyptien. œil. Son contenu était censé aider et nourrir les gens dans l'au-delà. Ok. Le rouleau byzantin. La justice est la C'est bien de volonté savoir. constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. Très bien. Et ça, c'est quoi? C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. Ça peut le jeu Avec d'échecs. une artefact. Ouais, c'est le jeu d'échecs version un peu bizarre, quoi. La Très bien. coupe de Saint Jean. L'apôtre avait reçu un calice de vin empoisonné, mais il a béni la coupe et le poison s'est transformé en serpent. Très bien. Il a donc pu boire le vin sans problème. Oh, ça, c'est bien vu, ça. La tête du roi David. Le roi Le David. berger est devenu roi. Quel destin! J'écoute, hein, les amis, excusez-moi. Du coup, j'essaie de comprendre un peu toutes les Une histoires qu'il citation raconte. de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse? Une Ouais. femme. La Quoi de femme. mieux qu'une femme pleine de bonté? Rien. Ouais. Et à mon avis, s'il y a des trucs comme ça, c'est qu'à un moment donné, on va avoir à faire le jeu d'échecs. Hein. Bon, allez, on y va. Lara va aller là-haut, elle va nous lire un livre, je ne sais de quoi, et puis on va comprendre qu'il y a un jeu d'échecs à faire, voilà. T'as rejoint la mezzanine interdite, La la Yatiri, mezzanine. Un yatiri. professeur sud-américain. Oh! Pas mal. Un dinosaure. Un bébé tyrannosaure. Oh! Arc. Est-ce qu'il a perdu sa maman lui aussi?
Lettre au constructeur, une lettre de père à une entreprise de construction. Tiens. Je souhaitais vous remercier de votre discrétion ainsi que de votre travail. La chambre forte correspond exactement Richard Croft. Très bien. Donc quelqu'un a créé cette chambre, peut-être qu'on va le rencontrer d'ailleurs, le créateur de cette chambre un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas. Oh non. Mais pourquoi on peut plus savoir? Ah si, on peut pas en savoir. Des masques. Quand on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. Pas mal en tout cas. Franchement, ils ont bien fait l'historien là. Kukulkan peut-être. Kukulkan. Je me demande qui sont ces deux chiens. Des crânes d'animaux. Vous savez, deux chiens. Un présage de mort. Je sais pas, peut-être les protecteurs. C'est peut-être les deux jaguars qu'on a rencontrés dans le jeu récemment. Vient de Colombie. Un masque de chef Zenu. Oh. Je me demande si ses yeux ont vu l'aile dorado. Ouais, je pense pas. Hein. Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Ah, moi non plus, là, on est des pauvres. Il contient les os d'une personne décédée. Oh, c'est bien. L'inscription est illisible. Oh mon dieu, le duel de monstres de Yu-Gi-Oh! À l'époque. En Égypte antique. On n'a pas l'info pour ça. L'arbalète. Le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. Les conquistadors, oui. Je me demande ce qu'ils ont trouvé. Moi aussi. Moi aussi. Encore des masques. Une Oula. Statue d'un hariki. Ouais. Des îles Cook. Les îles gâteaux. 25e dynastie. Oh. L'intérieur du sarcophage est incroyablement élaboré. C'est beau, hein. Moi, je m'arrête pour tout, là, les amis. Là, c'est vraiment... On découvre le musée, hein, cet épisode. Hein. J'adore. Non, Perse. Je me demande ce qu'elle peut garder. Je sais qu'elle a pas mal qu'elle aime pas peut-être les nouveaux Tomb Raider. Moi, je trouve, franchement, ça fait de l'histoire. C'est bien, c'est... Voilà, le meilleur truc du monde, mais c'est cool, vraiment, on s'amuse. Une lionne perse. Mais quelqu'un ouais. Lui a pris sa tête. Pourquoi? Je me demande ce qu'elle regardait. Ah ouais. Le masque mortuaire d'Agamemnon, trouvé à Mycène. Pourquoi la tête est cassée? Un masque tribal africain. Oh, pas mal. Tout en or. Il est beau, hein. Ashanti, peut-être. Ashanti, ouais. Ok, on y va, les amis. Alors, la chauve-souris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on dépose ses ailes. Et là, il y a le jeu d'échecs en bas à faire. Ok, on va y aller. Je vous le dis, on va y aller. C'est objectif 1. Alors, l'objectif, c'est qu'on amène les deux boucliers ici. Ok. Ok, au moins c'est bien. Au moins c'est bien, on sait ce qu'il faut faire. On va essayer d'amener celui-là déjà là. Pousse-le. Voilà. Alors le. Voilà. Oui, oui, ma fille. C'est pour ça que ça va être une énigme. Ah, attendez. Hop. Hop, c'est ça là-bas. Je réfléchis. Hein, parce que dans les énigmes, ça fait 55 ans. Je ne savais peut-être pas d'ailleurs. On faisait tout quoi. Ok. Ça n'a pas l'air d'être une énigme très compliquée en vrai, mais c'est quoi la complication de cette énigme? Elle vient quand? Peut-être plus tard. Hein. Peut-être plus tard, regardez là. Le bouclier a bougé facile là, jusqu'ici, non? Ah, peut-être qu'après il y aura un petit blocage, non? Bah non. Je vois pas le problème, hein. Tout est ok. Hein. Ah, peut-être qu'à un moment donné on va pouvoir en mettre une ici. Regardez là. Là c'est bon le bouclier, je peux le bouger jusque là. Hein. Voilà, regardez le bouclier là, on le pousse, c'est bon, hein, c'est ok. Hein. Et à l'endroit. Peut-être il va se passer d'autres choses après sur ce jeu d'échecs là, bizarre. Allez là, dernier poussage, on est arrivé. Allez, hop, on y arrive. Voilà. Il y a une porte secrète. La voilà. Oh, la reine blanche. Oui, oui. Je dois l'aider. Qui doit aller à l'attaque? Tout le monde? Ok. Attaquez les gens! Ah non. Lui attaque pas. Qui attaque? Il y a quelqu'un, il y a des chevaliers, il doit attaquer, c'est obligé. Ah, le chevalier qui attaque, il faut qu'il mette son poing. Il faut qu'il se serre devant elle. Peut-être. Alors, peut-être qu'il y a une histoire de rotation.
Non, il y a aucun qui fait une rotation là. Il y a forcément un qui se plie devant elle. C'est venu devant la devant sa reine, non? Oh, attendez. Elle doit aller au centre, la reine, ouais. La reine doit aller au centre. Peut-être qu'il faut que je bouge ça. Est-ce qu'il y a une lumière qui se fait, peut-être. Hein? Ok. Il doit y avoir quelque chose au milieu. Ou rien au milieu. Comment on va pouvoir bouger tout ça? On va faire comme ça. Toi, je comprends rien à l'énigme. T'as vu que mon daron il va pas débarquer et me casser l'ambiance quoi, on s'amuse très bien là, on est juste en train de s'éclater comme des fous quoi. S'il débarque, je pète un plomb quoi. Alors peut-être il y a une position exacte des guerriers à avoir. Je n'en sais rien. Vous et moi. Là, il y a la lumière qui réfléchit au milieu. Pour quelle raison? Là, je vais me mettre au milieu. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas moi la reine. Ça bougera pas. Ça bougera pas. Peut-être que je vais aller voir vers la reine. Comment je trouve cette reine? Quel est le but? On va relire les papiers, attendez, il y aura un indice. On sait. Clarine au milieu. La chauve-souris en haut. Le père, une carte indiquant le placement de la tombe interdite. On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes. Voir, ouais. Maître de père. Je souhaitais vous remercier de votre discrétion. On s'en fout. Bon. Tout ça est fâcheux. D'ailleurs, c'est une disposition efficace du machin qu'on n'a pas faite. Attendez. Ah bah si! On retire l'échelle, tout simplement. Ah oui, on est con. Maintenant, je peux la libérer. C'est tellement bête. Venez, ma reine. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche va enfin pouvoir être sacrée ici. Ne dévoriez pas. Waouh! Franchissez le seuil inconnu. Mais c'est trop bien, j'adore. J'adore cette énigme, mais c'est trop bien. Le cœur battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. Trop cool. C'est à maman. C'est maman. Oh! Peur pas. Hein. Non, ça va. Elle a un cœur d'acier. Elle résiste aux sentiments de sa maman. Tales! Oh mon dieu, c'est les Tales of. Tout était lié au Tales of. Par les chauves-souris, dit le chevalier rouge. Ah, c'est la daronne et papa. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit: non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. À un moment, on a peur de rien. D'accord, l'histoire de la reine blanche, évidemment. Ok. C'est maman qui était fan de la Reine Blanche, c'est ça le truc. Alors, tu m'expliques? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où? Au travail. Ah, pas content ce moment. Oh, c'est trop sentimental, c'est trop une histoire d'amour. Ah, c'est peut-être l'homme de maman qui me dit d'ouvrir ce coffre. Je ne sais plus. Ok. Je suis sur le point. Tu es toujours sur le point. Oh, c'est le moment, ok. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession. Mon obsession. Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Bah, elle fait pareil, ta fille, donc. Non, elle fuit. Je suis son père, tout simplement. J'espère qu'on entend bien avec le micro, d'ailleurs. Oui, j'espère qu'on entend très bien avec le micro. Non, c'est ok. Papa? 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 Papa?
J'ai entendu une arme à feu. Comme c'est Tomb Raider, il y a moyen qu'elle a touché le cœur, mais en fait il y avait une poche de sang qui le protège. On va pas mettre cette idée là en tête parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu ce qui va arriver. Allez, papa, réveille-toi. Papa, me laisse pas toute seule. Mais il a mis où sa balle? On n'a même pas vu où elle était, s'il l'a mis dans le cœur, s'il l'a mis dans la tête, on n'a rien vu. On va faire semblant qu'il est mort. Hein. C'est comme dans tous les jeux vidéo que j'ai fait pour, on fait semblant qu'ils sont morts les personnages comme ça. On n'est pas déçu à l'arrivée. Bonjour Jonah, j'ai fait un de ces cauchemars. J'ai rêvé que mon père était mort. C'est le cas. Donc une montagne couronnée d'argent. Ouais. Pas malin Jonah, je te surveille. Bon. Typé, mais comment on change? Oh, 3 heures après. Arme. Est-ce que mon arc il est amélioré au max? Attendez, on va voir si on peut l'améliorer encore. Au secours. Hop. Ok, bon les amis, on va améliorer l'arc au max. Ah, bah toujours pas. Ah, bientôt on va pouvoir l'améliorer au max. Tenue. Je sais pas en fait. J'hésite. Tenue, ça fait rien. Là, j'aime bien. C'est militaire. Vu que Lara, c'est une combattante. On a 2 points de compétence. Yes, on va pouvoir améliorer un nouveau truc. Alors, la précision. Non, c'est 1 point. Bon, il faut un truc à 2 points là. Résister aux dégâts des ennemis durant un court laps de temps après avoir soigné votre blessure en combat. Oui, voilà. Là, le soin avant tout. Voilà là. Je suis contente. Comment ça, j'ai encore des... Ah, j'ai déverrouillé des nouveaux trucs, c'est ça? Perfeur de l'aigle. Bon, vitesse d'escalade. C'est bien parce qu'on débloque des trucs automatiquement, ça c'est cool aussi. Et inventaire, pourquoi on a encore un truc dans l'inventaire qu'on n'a pas déverrouillé C'est une tenue qui s'est déverrouillée par la suite, là. Attendez, j'ai vu ce que j'ai vu, les amis, dans les tenues. Attendez, juste, on va remettre cette tenue, hein, on va rigoler, attendez. Je vais juste mettre ça pour voir. Oh non! Vous êtes sérieux? Vous avez fait ça? Vous avez vraiment mis les Lara de l'époque? Oh mon dieu! Oh là 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 là, la catastrophe! Il y a toutes les Lara de l'époque du 1, 2, 3. L'Underworld, pardon. Ouais, voilà, cette tenue, on aura de les changer à un moment donné. Plus quoi mettre. Hein. En même temps, Lara, t'as pris tout ton arsenal de tenues avec toi, sur toi, alors qu'on a autre chose à faire. Où les jumelles, machin? Tenues alternatives, certaines tenues vous donnent un avantage en fait quand vous les portez. Ah ouais? Oh, trop bien ça, je savais pas que les tenues donnaient un avantage. Moi, j'ai pris une tenue au pif, hein, les gars. Hein. Je m'en foutais, moi, c'était histoire qu'elle change de tenue par épisode, comme on avait dit. Chaque épisode, elle changeait de tenue, là, vous les changez de tenue. Ok, bon, Jonah, j'arrive. J'arrive dans pas longtemps, voir s'il n'y a pas un... Ah voilà, un truc. C'est plat. C'est bien, c'est-à-dire que tu fais attention à tout, Lara, c'est bien. Bon, écoutez, on va avancer vite fait, et puis on va se laisser là pour l'épisode. Hein. On va se laisser là pour l'épisode en cours. En tout cas, on a avancé l'histoire un petit peu incroyable de Lara. Qui était juste incroyable, ouais. Impossible. Je peux plus rien transporter. C'est par ici. Attends juste 2 secondes, je vais regarder parce que des fois on a des coffres à ouvrir, des machins. Avec des bonus, machin à récupérer. Tant que les ressources sont pleines, tant mieux. C'est-à-dire qu'au moins on est tranquille pour crafter des trucs et tout. Et on va avancer par là. Y'a plus de jaguar, j'espère. On a tué les 2 jaguars, normalement c'est ok. Tu me tiens ça, Diona? Ok. C'est bien. C'est bien, parfait. Après, il est bon. Il est bon, hein. Il est bon, je veux dire. Vous entendez? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait des trucs, là.
Il y a quelque chose de quelqu'un. Ok. Donc il y a plusieurs chemins. On va quand même aller voir dans le lac, là, vite fait. Il y a d'avoir des bruits dans le lac, en plus. Il y a un chemin à droite. Ok. On repère les chemins, parce qu'au prochain épisode, comme ça, on est déjà... vu que c'est directement après celui-ci, entre guillemets, si je vais aller faire 2-3 petits... récupérer mes habits que je lave et tout, tranquillement. Donc ça me laisse le temps. Puis je me repère un petit peu pour pas qu'on soit perdu lors du prochain épisode, quoi. Putain, on est où, là? On est déjà venu ici sur la carte ou pas? Non, on veut la carte, s'il vous plaît. La carte. On est déjà venu ici. Ok. Très bien, on est revenu ici. Peut-on connaître déjà. Ok. Bon, les amis, moi, je vais laisser ici pour l'épisode numéro 7 de la Shadow of the Tomb Raider. J'allais dire Lara Croft, non. Pas du tout. Du love et des bisous à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode rempli d'émotions avec l'histoire de Lara Petite. Et voilà. Et là, on va retourner dans la vraie aventure, celle du présent. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous laisse ici. Je vais tourner la suite de cet épisode dans quelques instants, entre guillemets. J'ai le temps d'aller faire 2-3 petits trucs. Et puis, ben voilà, comme ça, on aura les 2 épisodes de la semaine sur Tomb Raider. Et vous, ce sera pas le même jour que ça sort. C'est, évidemment, c'est déjà un planning prédéfini des sorties de vidéos. Là, la vidéo, normalement, celle-là, elle va sortir à partir de janvier 2022, je crois. Ou alors peut-être vers décembre, je ne sais plus trop. En tout cas, je vous laisse ici. Lara vous laisse ici aussi. Prenez soin de vous, c'est Don Alex, une petite danse, et à très vite pour l'épisode 8. Ciao tout le monde!